Putain de bagnole. Salut les enfoirés, aujourd'hui on est sur la Ford Mondeo Mark 3 de 2004. Donc on a toujours ce petit souci, vous savez, on a changé. Et aujourd'hui on va rouler un petit peu plus pour voir si on arrive à faire baisser notre conso. Là on a une conso instantanée. Bon bah comme on a débranché la batterie, on l'a pas la conso. On va voir si on arrive à faire baisser drastiquement la conso pour savoir si on a un retour anormal. On va faire donc un petit peu plus de kilomètres. Je ne vais pas mettre cette fois-ci non plus le chauffage ni la ventilation pour accélérer la chauffe de l'eau. Et donc on va voir ce que ça donne au bout de combien de temps déjà l'eau va être chaude et ensuite si notre consommation baisse. Bon les enfoirés, donc on a roulé à peu près 80 km, on a fait de la route, mais dans des endroits où il y a beaucoup de trafic, beaucoup de portions de ville. Donc durant le trajet, on est descendu à 6 litres 4, 6 litres 5. Alors on est encore un peu loin de la consommation sur route qui est plutôt sur cette voiture entre 5 litres 4 et 5 litres 6. Je vous précise que c'est une boîte 5 vitesses. Je sais qu'il y a eu, je crois que c'est le même moteur en 2i TDCi 115 où il y a eu des boîtes 6 vitesses. Donc là, en arrivant, on a eu beaucoup de bouchons, donc on arrive à 6 litres 9. C'est un petit peu au-dessus, ça m'effraie pas trop. J'espère que j'aurai l'occasion de faire une portion de route plus longue où il n'y aura que de la route sans encombrement pour voir si on arrive vraiment à redescendre comme avant à 5 litres 4, 5 litres 6. Ouais, les enfoirés, donc là on a roulé sur une partie beaucoup plus roulante que la dernière fois, une trentaine de kilomètres, et là on est redescendu à 6 litres 1, donc on se rapproche pas totalement de la consommation que j'avais habituellement, à savoir 5 litres 4, 5 litres 6, mais on est quand même très proche. Voilà les enfoirés, après une bonne après 40 km on va dire de route qui roulait bien, donc on a pu abaisser notre consommation à 5 litres 6, donc c'est la consommation que j'avais avant d'avoir le problème, et donc je suis bien content que ça soit à nouveau le cas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez trois façons de nous aider pour la chaîne. La première, vous faites un don, même modeste, sur le compte Tipeee, et vous avez le lien en dessous de la vidéo. La deuxième, vous activez le pouce bleu pour nous encourager, et la troisième, vous activez la cloche pour vous abonner et recevoir une notification des nombreuses futures vidéos. Voilà, n'hésitez pas à commenter avec votre propre expérience. On partage tout ça et qu'on avance et qu'on passe à l'action, car c'est le but de la chaîne. Je vous rappelle qu'on a plus de 145 vidéos maintenant. Donc je vous dis à très bientôt, les enfoirés. Ciao !